Bonjour à tous, c'est Greg de Stéphane Pelletier Immobilier à Guéret. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter une petite maison à Saint-Martial-le-Mont. Petite maison donc tout à rénover en pierre apparente. Donc je vous emmène découvrir ça avec moi. Allez, c'est parti! Donc voilà la maison. Avec une petite dépendance à côté. Et une cave. Donc là, on va rentrer dans la partie salon, cuisine, donc tout à refaire. Elle est vraiment restée dans son jus. Une grande cheminée avec foyer ouvert. La porte de droite, c'est un placard. Et là, une petite réserve. On va aller à l'étage. Là, on retrouve une première pièce. Et là, une seconde pièce beaucoup plus grande. Avec une autre pièce juste à côté. Et là, on va aller dans la partie grenier. Pas mal d'espace. On se retrouve à l'extérieur. Donc nous nous retrouvons devant la maison. Et juste en face, donc ce petit chemin communal, où nous retrouvons le jardin. Donc c'est une petite parcelle qui fait environ 200 mètres carrés. Là, juste à côté, la petite dépendance. Donc c'est une autre pièce. Là, j'ai pas trop marché parce que le plancher est tout à refaire. Ensuite, nous allons voir, il y a deux granges avec la maison. Donc, une première grange. Une grange, en fait, elle se trouve de l'autre côté. Donc là, vous avez le jardin avec la maison juste en face. Et la seconde grange se trouve ici. Et ce dernier bâtiment, voici l'intérieur de la grange. Encore avec toutes les charrettes et tout. Donc tout restera en état pour la vente de la maison. Quand on passe sur le côté de la maison, bien, sur le côté de la grange, je veux dire. Hop là. Encore des charrettes. Il y a cette petite cour qui se trouve juste derrière la grange. Avec une belle vue. Donc là, on est orienté plein sud. Donc là, nous sommes en plein cœur d'un petit hameau qui dépend de la chapelle Saint-Martial. Donc, une grange. Quand nous marchons, donc là, c'est des chemins communaux. Vous avez le terrain qui se trouve ici au milieu et la maison juste derrière. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la maison vous plaira aussi. Bon, il y a un peu de travaux, mais bon, c'est une charmante maison en pierre pour ceux qui sont un peu bricoleurs. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine maison. Salut à tous!